C'était au début du 8e siècle, considéré le grand sanctuaire. Au sommet de cette colline, il y a un crâne qui s'appelle Monsieur Atta. Il a trouvé une épidurie tout en haut de la colline. Donc, une épidurie. Une épidurie. Parce que tu sais, quand je parle japonais aussi, je parle vite. Donc quand je parle français aussi, toujours vite. Marcher toujours vite aussi. Ah oui, c'est les Japonais, surtout les habitants de Tokyo qui marchent toujours vite. On est toujours pressé. Toujours vite. Parce que la vitesse, c'est très important de Tokyo vite. Tokyo vite. Oui, mais en tout cas, il n'y a pas de rizière, mais le grand qui s'appelle Monsieur Atta, il a trouvé un épi du riz là-bas. C'est le début de ce sanctuaire, c'était au début du 8e siècle. Après, il y a beaucoup de gens qui appuyaient ce temple, ce sanctuaire, et s'il a passé son bout, il a construit le portail. Donc, toujours en face du portail, il y a la date de construire le portail et nom de donateur. Donc maintenant, il en a plus de 1000 dans cette colline. Oui, maintenant aussi, il y a aussi des gens qui par exemple, donnaient l'argent. Ça veut dire que ces donateurs, ils peuvent construire un nouveau portail dans cette colline avec son nom. Ça veut dire que le nom de donateur. Et il y a beaucoup de statues de renard dans cette colline. Renard. Parce que c'est le début, c'est un épi du riz. Il y a des souris qui mangent du riz. Mais le renard qui mange aux souris. C'est pour la protection du riz. Ça veut dire que c'est un animal sacré, c'est le renard.
sur la forêt blanche.